À l'occasion de la commémoration de la nativité de Jésus-Christ, Monseigneur José Moko Ekanga, évêque du diocèse d'Idiofa, a fêté Noël avec les enfants de 7e et 8e du complexe scolaire Monseigneur Moko et les jeunes de l'UCGB à l'espace Cana. Était également associé à cette cérémonie de la nativité du Christ l'administrateur du territoire d'Idiofa, Caritas Congo, Kambilim, sans oublier les sœurs du Sacré-Cœur qui ont collaboré dans l'organisation de cet événement grandiose pour le chrétien catholique. La naissance du Fils de Dieu, sa venue dans le monde, est un événement unique. Dieu nous a rejoints. Si ce n'était pas la date du 25, il fallait trouver une autre date. De toutes les façons, considérant le fait que c'est notre salut qui est en jeu, nous devrions bien trouver une date pour célébrer la naissance du Fils de Dieu. La Vierge enfante, c'est des ruptures. Toutes ces choses anciennes, Dieu ne veut plus que nous puissions, nous qui sommes de la nouvelle alliance, nous rétraper là-dedans. Voilà pourquoi nous avons pris possession de cette date du 25 décembre. Et notre temps fort, Monseigneur José Moko Ekanga a partagé un repas de cœur avec ses enfants d'Idiofa. Par ces petits gestes que l'évêque nous montre, il nous apprend déjà à partager dès le bas âge. Et c'est pour cela que nous le remercions pour cet acte qu'il pose pour nous offrir ces temps de Noël. Et nous le souhaitons aussi de meilleurs vœux. Parce que ce qu'il a fait déjà, c'est grand, c'est immense, ce qu'un père fait pour ses fils et ses filles. Dans son adresse, Monseigneur José Moko Ekanga a rappelé à ses enfants que Jésus-Christ est né. Il doit naître dans le cœur de tout un chacun. Nous devons naître de nouveau dans le comportement partout où nous nous trouvons.